Bonjour à tous et bienvenue dans Manek News, épisode 30. Bienvenue sur Manek TV. Avant de commencer cette émission, un petit édito. De temps en temps, j'aime bien faire une petite parenthèse. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un mariage qui est passé complètement à la trappe. Audio Jungle. Audio Jungle. Vous le savez, c'était samedi 19 mai, il y a eu le fameux mariage princier d'Harry et de Meghan. Voilà, en Angleterre, tout le monde en a parlé. Mais personne n'a parlé du mariage de Jean Dujardin et Nathalie Péchala, la fameuse patineuse. Et oui, ils se sont mariés le même jour. Ils se sont dit oui à 15h29 en France. Mais personne n'a parlé parce que tout le monde a préféré. Et venant de parler du mariage d'Harry et de Meghan. Mais bon, vous le savez que nous, dans cette émission, nous avons toujours des infos. Et pour commencer l'émission, c'est une première. Un nouvel opus de 007 devrait sortir en 2019, avec évidemment Jean Dujardin. C'est pas un scoop, ça. Mais pour l'instant, je vous propose de suivre le 0030, car c'est tout de suite le 30e Manek News. C'est parti! Et tout de suite, voici les titres de l'actualité. Dans un instant, il sera là. C'est Jean-Louis de 45 pour ses infos de la Bretagne. Il y aura les sorties ciné de Mark Smith. On aura un clip à vous proposer. Il y aura le hashtag tweet, une nouvelle chronique sur Twitter, évidemment. Il y aura les lieux à visiter de Clairefontaine. Elle part au Mont-Saint-Michel, l'endroit Breton-Normandie. Il y aura également le père Castor qui vous racontera l'histoire du loto bingo, comme je vous l'avais dit la semaine dernière. Il y aura l'amour à la guerre de Lucie Lachat, les blagues de Jerry Kahn. Il y aura également le Maurice et Maurice qui seront de retour. Et les pranks d'Axel Braz et une interview d'un pêcheur, le pêcheur Lactalis. On vous racontera ça tout à l'heure. Bienvenue dans Manek News, épisode 30. Et avant de commencer, vous le savez, c'était la semaine dernière, le week-end dernier, c'était la fête des mamans. Donc voilà, je voudrais embrasser la mienne, voilà, que j'aime très fort. Et que, voilà, que j'aime très fort et que je remercie de m'avoir laissé faire cette émission. Maman, je t'aime et tu es la meilleure des mamans. Je t'aime très fort. Et tout de suite, on retrouve Jean-Louis de 45. Nous aussi, on l'aime très fort, Jean-Louis de 45, car c'est le meilleur journaliste de France. Voici les infos de Bretagne de Jean-Luc de 45. Yeah, yeah, les amis! Bonjour Jean-René! Tout à fait! Je reviens de Ibiza. L'ambiance est lourde, l'ambiance est électro, les amis! Je vous laisse écouter, regardez ce son, Jean-René! C'est pas la folie, ça! Ça, c'est Ibiza! Et voilà, les amis. Vous êtes encore plus à fond cette semaine. Les infos régionales et locales de notre chère Bretagne, Kenavo, les poteaux, hashtag zoom zoom. Donc nous allons rentrer dans le vif du sujet, les amis. C'est parti avec la première info. C'est parti, ok. Première info, les amis. Nous allons partir à Brest. Vous connaissez Brest ? Oui, dans le Finistère. Tout à fait. Donc attention, le moment est grave, puisque les faits sont macabres.
voir les faits sont tragiques. Tout à fait. Il s'agit d'une rixe qui aurait eu lieu dans un bar. Donc, une rixe, c'est une bagarre, les amis, tout à fait. Une bagarre de soulard entre des marins pêcheurs et une militaire. Une jeune militaire, tout à fait, qui n'a pas compris pourquoi tant d'agressements. Elle se serait fait insulter. Elle aurait riposté à coups de bouteilles de champagne. Voilà, le marin pêcheur aurait eu plusieurs points de suture. Donc voilà, et puis la jeune militaire forcément n'a pas digéré le truc quoi. Technique de combat, voilà. Faut pas embrouiller des militaires. C'est sûr. Il paraît que même deux jeunes scouts se seraient embrouillés. Une bagarre entre scouts. On pensait que c'était la paix, mais non. Donc, distribution de gifles en tout genre, la bagarre, des boum boum, des coups de bouteille, voilà quoi. Et la marée, les militaires recrutent, hein. Tout à fait. N'hésitez pas. Si vous voulez faire tabasser, allez-y. Voilà, à postuler dans la marine, ça recrute sévère, dans la gendarmerie et chez les scouts de France aussi. Deuxième info. Deuxième info, les amis. J'ai combien de doigts? J'en ai un, j'en ai deux. Hop, tu l'as pas vu. Hop, tu le reverras plus. Oh, oh, nous c'est allons... pas fait classe. Nous allons partir à Nantes. On part dans le 44. Nantes, dans le 44, tout à fait. Vous êtes bon dans les mathématiques. Vous avez fait du solfège étant plus jeune, non? Allez, info. Allez, nous allons partir dans le 44, tout à fait, pour une histoire de cambriolage. Ah! Un cambriolage. Un sale cambriolage. Malheureusement, les amis, faites attention à vos portes et vos serrures. Hein, puisque une grande vague de cambriolage a lieu dans la zone, dans toute la zone qui est la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine, l'Ille-et-Vilaine. Voilà, donc dans cette zone, mais rassurez-vous les amis, puisque les gendarmes ont réussi à interpeller le fameux gang des sardines. Donc, ce gang des sardines qui sévirait hein, à peu près dans toute la zone de l'ouest de France, donc dans notre chère Bretagne, hein, après une dizaine de cambriolages. Dans notre cher pays breton, les amis, les gendarmes ont réussi à retrouver 8 véhicules de type berline, 13 moteurs V12 à turbo-injection, un quad, une remorque, 20 groupes électrogènes, 3 portières et 6 roues de voiture. En turbo. Donc voilà, hein, les amis, vous aimez les bricoles, vous avez peut-être des équipements qui manquent chez vous, dans votre maison. Donc contactez la gendarmerie de Bouvillain-la-Vilaine et puis peut-être vous retrouverez les traces de votre véhicule, des traces des objets qui vous auraient appartenu, qui auraient été peut-être substillés subtilement. Et évidemment, hein, faites attention quand vous partez de chez vous de fermer vos serrures et vos fenêtres et votre porte. Voilà, et pour éviter les cambriolages. Tout à fait. D'ailleurs, ces cambriolages qui auraient été faits par des tournevis de chez Bricoflex. Oui, ah ben on s'est planté. Ça sert à rien de dire ça. C'est pas bien Bricoflex. Hein. Allez-y, info suivante. Allez, info Bretagne, info régionale. Les amis, nos chers Bretons, nous allons aller à Vannes.
Van dans le... Dans le Morbihan. Oh, waouh, magnifique les amis, quelle culture. C'est hallucinant. J'allais dire Maine-et-Loire, mais non. Non, mais je ne sais pas comment vous faites pour recueillir toute cette culture à l'intérieur de votre cervelet, mon cher Journée. Allez-y. C'est hallucinant. Donc, à Vannes, où la discothèque Le Bubule organise des lancers de nains. Des nains. Donc un lâcher de nains, c'est féerique, les amis. Donc vous êtes de petite taille, vous avez envie de voler, tel Spider Cochon, Spider-Man. Voilà. Au-dessus d'une foule en délire, sur un son électro, voilà. Le Bubule vous attend tous les vendredis soirs, mes chers amis de petite taille. Un flash de vodka vous sera offert, hein, bien entendu. Alors, c'est interdit, hein, le lancer de nain a été interdit quand même en 95. Mais c'est de nouveau autorisé. Donc c'est pour ça que la discothèque Le Bubule, voilà, la discothèque Le Bubule, les amis. C'est intéressant le lancer de nains, Jean-René. Vous avez déjà essayé ? Alors, je n'ai jamais essayé. Ah, vous n'avez pas participé ? Non, je n'ai pas participé. Mais... c'est intéressant. Moi, personnellement, je préfère le lancer de machine à laver. Mais avant qu'on passe à la machine à laver... est-ce que, petite info comme ça, le bubule, vous savez, c'est quel animal qui bubule ? Le bulot. Non, c'est les hiboux. J'ai appris ça il y a pas longtemps. Non, il ulule. Il ulule, mais il bubule aussi. Ah, il bubule. Quand il babave, il bubule. Donc voilà, j'ai appris ça il y a pas longtemps. D'accord. Excusez-moi. Non, c'était fantastique. Et voici les amis, c'était les informations régionales et locales de notre chère Bretagne. Vous avez déjà fini ? Ah, tout à fait. C'était trois informations. Vaut mieux un concentré. Voilà. Je préfère rester dans la qualité que dans la quantité. Mais c'est pas ça. Oh, on en veut plus, les amis. Bah, on retourne dans 15 jours, alors. Tout à fait. Vous avez pas une information, Jean-René ? On m'a dit que vous aviez vu quelque chose. Ah oui, c'était passé. À Lorient, un camionneur qui a été flashé à 130 km/h au lieu de 50. 130 au lieu de 50. C'est énorme. C'est-à-dire, il faisait 50 ou il faisait 130 ? 80 km de bus. 130 km/h au lieu de 50 en ville. À Lorient, c'est quand même énorme. Rigole pas, toi là-bas. Attends. Non, mais vous êtes en interview. Il roulait à 130 en plein milieu des rues de la ville. Voilà. Non, alors. À Deauville ? Non, à Lorient. À Dodane. À Lorient. Sur les Dodanes de Deauville. À Lorient, et donc. Franchement, à 130, tranquille. Voilà, évidemment, pas de blessé, mais il a. Ça ne peut nous. Ça peut nous retomber dessus. Hein. Ça peut nous retomber dessus. Moi, je me dédouane de cet individu qui balance des informations. Voilà. Mais non, et donc ça peut nous permettre de vous rappeler de faire attention sur les routes, de respecter les limitations de vitesse. Pas d'amalgame. Pas d'amalgame, évidemment. Et de... Moi aussi, hein. Et donc de vous rappeler que la limitation à 80, c'est à partir du mois de juillet. Voilà. Et. Avec modération. Mais avec modération. Avec modération. Toujours avec modération, les amis. L'alcool ou la vitesse ? La vitesse. Les œufs. Voilà. Donc, les amis. Merci à tous. Merci à tous. On va en repartir. Oh, les bisous. De 45, au revoir. Allez. Au revoir les amis. À dans 15 jours. Merci Jean-Luc de 45, vous ne perdez rien pour attendre. La semaine prochaine, je serai plus speed, vous verrez. Mark Smith est là, les sorties ciné toujours en direct des États-Unis d'Amérique. Est-ce qu'on va avoir des nouvelles de Donald Trump avec lui ? Je pense pas. Les sorties ciné de Mark Smith. Gigi les amis, c'est Mark Smith en live en direct des États-Unis de l'Amérique. Et oui les amis, aux États-Unis, ça déchire, ça déboîte
avec Donald Trump, on se tape des barres de rire. Alors, vous voulez savoir ce qui va sortir dans la salle de cinéma, la salle de Cinoche qui est à côté de chez toi, ou parfois elle est loin, il faut prendre le bus, faut prendre le taxi, c'est compliqué, faut faire du stop, on sait pas, des fois t'es pas à l'heure. Voilà, donc, que des galères dans ces salles de cinéma. Mais non les amis, si tu choisis la bonne salle, UGC, Pathé, Gaumont, t'auras des petites lunettes 3D, t'auras les popcorn, t'auras du coca, t'auras du Sprite. Tu vas te faire plaisir mon ami. Alors, cette semaine, j'ai sélectionné un film. Mais c'est un gros film, c'est le plus gros film de l'année. C'est le film qu'il faut voir cette année. C'est le film de 2018, cherchez pas les gars. Cherchez pas à aller voir des Avengers, des Spider-Man, des Batman. Ça sert à rien, oubliez toutes ces conneries. Le seul film à aller voir cette année, si cette année tu dois aller au cinéma voir un film, c'est ce film qu'il faut aller voir. C'est Jurassic World 2. Et oui, les amis, Jurassic Park is back avec le deuxième volume de Jurassic World. Donc c'est le cinquième film sur le dinosaure, sur le Jurassic. Et oui, donc Jurassic World 2, The Fallen Kingdom. Alors, ça veut dire quoi, le Fallen Kingdom? You know, you speak English a little? Yes. Ça veut dire le royaume déchu. C'est le royaume, t'es plus là, ça part en couille, mon ami! Et oui, dans Jurassic World, qu'est-ce qui se passe cette fois-ci? Parce qu'à chaque fois, il se passe des trucs dans Jurassic World et on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Et ben là, c'est comme dans Jurassic Park 2. Donc là, c'est dans World 2. Donc c'est à peu près la même histoire, sauf qu'on change quelques détails. Hein. Donc en gros, ben les dinosaures ils sont en danger, ils peuvent plus rester sur leur île. Hein? Avant l'île elle partait en couille, maintenant il y a un volcan sur l'île. Donc le volcan il va exploser, il va éclore, la lave elle va couler partout, les dinosaures ils vont tous mourir. Donc ben, il y a une équipe qui va aller récupérer les dinosaures pour les sauver. Donc il y a Owen, Claire et Lockwood. Lockwood, c'est un milliardaire, il a beaucoup d'argent, donc il fait semblant qu'il va aider les dinosaures, mais à mon avis, il va mettre une grosse disquette à tout le monde. Voilà. Donc Claire, c'est la meuf qui est amoureuse de Owen, et Owen, c'est le super-héros, vous l'avez reconnu, tout à fait. Donc Owen, il avait dressé un dinosaure qui s'appelait Blue. On se souvient de Blue, le petit dinosaure. Et ben là, Blue, il a grandi. Blue, il est en danger, donc Owen, il doit venir le sauver. Donc il va venir avec Claire et avec toute son équipe, ils vont essayer de sauver les dinosaures de cette éruption volcanique, les amis. Eh oui, malheureusement, Lockwood, eh ben lui, attention, hein, parce que c'est un riche milliardaire, donc forcément, c'est un bâtard. Eh oui, le mec. Donc il va kidnapper les dinosaures pour essayer de les revendre dans une vente aux enchères entre multimilliardaires, multimillionnaires. Enfin, c'est des gars, ils ont des sous, t'as même pas le budget, mon ami. Donc voilà, un film fantastique. Des effets spéciaux à couper le souffle, de l'action non-stop. Et le film il dure plus de 2 heures, mais pendant 2 heures tu vas être ouh, les dinosaures ils sont magnifiques. C'est du Spielberg, c'est la folie. C'est le film à aller voir cette année. Hein, je vous le répète, s'il y a un film à aller voir cette année, c'est Jurassic World, les amis. Avec ça, vous êtes sûr de pas être déçu. Voilà. Vous allez faire rêver les enfants, les adultes, même les grands-parents, même papy, mamie, ils vont rigoler, ils vont pleurer des larmes de rire. C'est le film le meilleur de l'année, c'est la spéciale dinosaure. Donc les amis, s'il vous plaît, faites-vous plaisir. Franchement, pensez à vous, faites-vous plaisir un peu. Allez au cinéma, voilà, faut sortir. C'est pas bon de rester à la maison comme ça devant la télé, il y a que de la merde en plus à la télé. Donc au cinéma, pour une fois, il y a un gros film qui vaut le coup. Vous allez pas vous ennuyer, je vous le promets. Prenez des popcorn, le petit coca, ça fait toujours plaisir. Et puis posez-vous dans cette salle de cinéma qui est climatisée, qui est aérée. On est bien, on est bien ou on n'est pas bien? Eh ben oui, on est bien. Alors on profite et on regarde ce super gros film, Jurassic World 2, le royaume perdu. Les amis, il faut aller le voir, s'il vous plaît. Après, si tu y vas pas, c'est ton problème, mais tu vas pleurer, tu vas le regretter, mon ami. Allez, c'était Mark Smith. Pour les sorties ciné, t'as vu le hashtag, il est violent. Parce que ici, chez les Carines, on fait pas semblant. Allez, bonne séance, les amis. Merci, Mark Smith.
Mark Smith, d'ailleurs, vous avez parlé du film Jurassic World. En fin d'émission, ne loupez pas le quiz sur les dinosaures. Hein. C'est un quiz, voilà, vous allez voir plusieurs races. Ce sera en fin d'émission à suivre absolument. C'est hyper, hyper bien et hyper cultivant. Je ne sais pas si ça existe, mais voilà, c'est hyper cultivant. On retrouve tout de suite le hashtag tweet. Vous avez tweeté cette semaine, ou les deux dernières semaines. Vous voulez savoir quels sont les meilleurs tweets qui ont marché? Retrouvez les meilleurs tweets. C'est parti, hashtag tweet. Hashtag, hashtag. Bonjour à tous, c'est Chantal de la Cantal. Je vais vous animer les hashtag tweet, hashtag tweet. Et le troisième tweet qui a cartonné sur Twitter, c'est le hashtag Multiligue 1. Vous savez, sur le sport, la Ligue 1, le football. Le deuxième, c'est Social Room FSC. C'est l'actu du Stade français, le hashtag. Et enfin, le troisième, pour continuer dans le sport, c'est une parodie de Casa de la Papels version football avec le hashtag SRFC. Je vous propose de voir ça sur Twitter. À bientôt pour de nouvelles hashtag tweets. Merci beaucoup Chantel. On vous retrouve dans 15 jours avec les nouveaux hashtags et réagissez. Hein. Hashtag Manek TV. On retrouve tout de suite Claire Fontaine qui est partie pour ses lieux à visiter au Mont-Saint-Michel. Le Mont-Saint-Michel se trouve en Bretagne-Normandie. C'est parti. Qui est également en Normandie, comme à la frontière de la Bretagne, on a dit. Bon, nous allons voir. De la Manche, à la frontière entre la Bretagne et la Normandie, le Mont Saint-Michel, qui redevient une île en cas de forte marée, est un des endroits incontournables à visiter en France. On y retrouve sa fameuse abbaye, des restaurants, une magnifique vue sur la baie. C'est bien à visiter ça. Allez, venez me rejoindre, on y va tous. Salut! Merci Claire Fontaine, on vous retrouve évidemment très vite sur le plateau. On va passer tout de suite au retour des Funky News du Funky Web, évidemment avec Funky Fixie, c'est parti. GG les amis, c'est Funky Fixie pour les Funky News du Funky Web, génération 4.0 de l'internet, les amis. Eh ouais, je m'adresse à ceux qui ont un accès Wi-Fi ou filaire. Parce que les gars, si t'es bloqué dans un endroit où t'as pas de réseau, ben t'as pas de raison de regarder l'émission, mon ami. Eh oui, alors, on va commencer. C'est... putain de funky news les amis, avec du gros lourd, du très très lourd, du street du live. Je suis allé sur le YouTube, vous connaissez le YouTube les amis, c'est là que tout se passe. Donc j'ai repéré les meilleurs sites, les meilleurs clips
que sur que personne n'y a cliqué. Parce que les gars, vous avez pas osé cliquer sur ces clips. Ben moi, je vais vous montrer qu'il fallait cliquer sur les clips. Ouh, allez, premier clip en musique, direction l'Africa, le plus gros pays du centre, du milieu, de la stratosphère, les amis. Et on va partir en musique avec Dalvis. Dalvis. Et son son, c'est Tsu Tio Volani I Bananalao. Wow, t'as vu comment je connais bien? C'est de l'électro dancehall façon afro. Donc ça déchire. Le clip est filmé en HD en plein cœur de la savate. Les amis, c'est magnifique. Ouh, t'as vu, ça déchire, t'as envie de zouker. Je le sens, mon ami. Donc on va rester en Afrique, on va rester dans ce beau pays où il y a les éléphants, les animaux, les hippopotames et les lions. Wouh, alors on enchaîne. Je vous ai repéré la perle de la perle de l'Afrique. Le plus gros cul, le plus gros pétard de l'Afrique. Et oui les amis, c'est magnifique. Elle s'appelle Eudoxie Yao. Son son, c'est hey, je te connais pas. Je te connais pas mon ami, t'es qui, t'es quoi? Pourquoi tu me parles, je te connais pas? Et ben voilà, donc c'est le son d'Eudoxie. Regardez ce tarpé les amis, c'est magnifique. Ça, c'est un peu l'ambiance qui se passe en ce moment en Afrique. Vous avez vu, c'est chaleur, ça zouk zouk dans tous les sens. Allez, on va quitter un peu cet espace. On va aller direction la France, les amis, avec Massimo qui fête son anniversaire. Vous ne le saviez pas. Donc Massimo ou Maximo, comme on dit des fois, eh ben, son anniversaire, il a décidé de le fêter avec son nouveau smartphone qu'il a reçu. Et puis, il se filme dans sa voiture, chez lui, partout dans la piscine. Et puis, voilà, pour fêter son anniversaire avec ses YouTubers. Voilà, t'écoutes ça, mon ami. Massimo. Massimo. Et en ce 4 mai, aujourd'hui c'est ma journée. Je me lève les yeux éclatés, soudain une petite idée. J'allume l'ordi, je vais enregistrer. Ce soir je suis en famille, je souffle ma 20e bougie. Je vous fais un petit cadeau, je fais un clip en selfie. Faites-moi plaisir, participez à ma cagnotte Litchi. Et ouais poto, je suis content, aujourd'hui je fais mes 20 ans. Je sais que demain je le fais dans une villa avec mon zin, ma zine, zine, zine. Ma mère prépare dans la cuisine, zine, zine. Elle fait le gâteau, papa s'occupe de la piscine, zine, zine. Ouh, merci Massimo et joyeux anniversaire à toi mon ami. Voilà, allez, je vais faire un petit coup de cœur, un petit clin d'œil à mon ami Jean-Jean-Jean René Latotope. Et eh oui, Jean-René Latotope avec son son du moment, il nous saoule avec ça. Il écoute ça H24, le jour, la nuit, dans la voiture, dans la baignoire. Ça s'appelle la loose. Vous l'avez reconnu, bien sûr. Donc là, j'ai trouvé un remix de russe ou de tchèque, de kosovar, de polok, on sait pas trop. Enfin, la langue, elle est un peu bizarre. Si tu l'as reconnu, tu le mets dans le commentaire, s'il te plaît. Donc c'est un remix de la loose. Ça s'appelle Stazex Maluz. Ciągle kobiet za nim sznur, tylko Eli zrobił brzuch. Weź nie stawiaj się mu dziś, zrobi rozkok, jebnie w kły Staszek ma wóz. Maluz, zlał ZUS, w piątki ma wzwód. No cóż, to mus, buja wciąż giery.
w łapenie biery. W dupie mam ZUS, na tace zbiery. W łapenie biery, w dupie mam ZUS. La loose, ma loose. Voilà, c'était magnifique, les amis, ce super clip féerique, filmé comme ça. C'était pas prévu. Bon, allez les mecs, on va partir maintenant un peu dans le rap, parce qu'il y en a beaucoup parmi nous et parmi vous surtout qui aiment le rap, le vrai rap. Donc là, c'est du rap français, mais du rap qui est pas sorti encore à la Fnac. Parce que les gars, ils ont pas encore de producteurs. Donc si t'as envie de produire des bons gars, voici mon ami, il s'appelle Vadim. Son son, c'est Tony Yoka. Donc il s'est filmé dans son jardin, ce gentil petit blond. Et pour nous offrir un rap quand même qui est vraiment lourd, avec de la bonne rime, de la bonne phase. Franchement, ça s'écoute en boucle dans le MP3. Je suis occupé là, j't'appelle tout à l'heure. Bitch est plate, tu vas être bitch, va faire du rameur. La même tous les soirs, tu bois trop, tu prends des tartes. 4 ans de dur labeur, il me souhaite toute une vie de malheur. C'est la même de partout, je vois trop, je suis dans un cartoon. Je dois donc, je vais les cartons, N sans tabou. Ma belle, dis-moi t'as mal ou. Des fois j'écoute, des fois je m'en fous. Des fois j'assure, des fois je m'enfonce. Ils sont venus me prendre assiette. Mes gros voulaient les mettre dans le coffre de la caisse. Je mange tout dans l'assiette. Millions d'euros, je laisse millions de miettes. Tu cherches à faire chier, je vais te casser le cul, tu seras pas déçu. J'aime quand c'est violent et voir ses chemins se faire tirer dessus. Je vais leur foutre le fuego. Waouh, eh oui, c'était magnifique. Merci Vadim pour ce super son, ce super morceau. J'ai hâte qu'il sort chez Virgin Megastore. Allez, on va se quitter avec un dernier clip pour la section YouTube. C'est un clip amateur, c'est un jeune rappeur. Franchement, il essaye de s'en sortir. En plus, il est sponsorisé par Fly Emirates. Et oui, les amis, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quoi ce que je vous offre là. Donc la qualité du son est pas forcément terrible, parce qu'il a pas encore les moyens d'acheter un bon micro, un gros micro. Voilà. Mais en tout cas, il fait ça en amateur, il fait ça propre le mec. Il s'est filmé dans son champ. Regardez, c'est magnifique. Ilias. Ouais, c'est moi Ilias. Dans ma bulle. Dans ma bulle, oui, c'est là où je suis. Dans ma bulle, venez pas m'emmerder à moi. Dans ma bulle, oui, c'est là où je suis. Dans ma bulle, venez pas m'emmerder. Dans ma bulle, oui, c'est là où je suis. Dans ma bulle, venez pas m'emmerder. Tu crois pas en moi? Moi, je crois en moi. Je lui ai dit, fais-moi confiance. Elle répondit, c'est ta vie, petit. T'inquiète pas, j'y arrive avec brillance. T'inquiète pas, maman, moi. J'ai réussi, maman, je suis dans ma bulle. Je fais ma confiance. T'inquiète pas, maman, moi, j'y parviendrai. Inch'Allah. Moi, j'y parviendrai. Moi, je suis pas comme papa, moi. T'inquiète pas, moi. Et voilà, les amis. Hein, vous avez vu, il y a les sous-titres. C'est super pratique pour ceux qui n'ont pas réussi à déchiffrer. Et voilà, c'était Funky Fixi pour les Funky News du Funky Web. Ouh, allez, les amis. Merci Funky Fixi, on vous retrouve prochainement sur le plateau avec de nouvelles stars d'internet. Père Castor va vous raconter l'histoire du loto bingo. Vous savez, c'est où on doit mettre les pions et quand on a une ligne, on doit crier. Par exemple, on sort le 11, le 40, hein, et quand on a une ligne, on fait ouais. Et ben c'est tout de suite l'histoire du loto bingo avec Père Castor. Père Castor, raconte-nous une histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire, Père Castor. Raconte-nous deux histoires, Père Castor. Père Castor, mets tes lunettes et lis-nous tout. Bonjour, c'est Père Castor. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du loto bingo. Vous savez, le loto, on doit jouer en salle et crier quand on a gagné. Ouais. Je vais vous raconter.
Alors, d'où vient le loto bingo? Ça vient d'Amérique du Nord. Et oui, en Amérique du Nord, c'est là où on a commencé à jouer au loto bingo. Et je peux même vous dire que le lieu et la date où a eu lieu ce premier loto, c'était le 19 octobre 1981. En France, c'était à Lyon qu'a eu lieu ce loto. Et les plus gros lots qui ont été gagnés dans ce genre de jeu, dans ce gros loto, c'est des voitures, des fois des voyages, des scooters. Mais le plus gros de tous les gros, ça a été à Mulhouse, où on a fait gagner carrément un avion à quelqu'un. C'est carrément extraordinaire, les amis. Et pour savoir tous les lotos de votre quartier ou de votre coin, vous pouvez retrouver ça sur agendaloto.net ou sur lotopassion.com. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles histoires. C'était Père Castor, raconte-nous une histoire. Merci beaucoup Père Castor. Et tout de suite, on va faire une petite pause musicale dans cette émission avec un clip exceptionnel. C'était sur la Jurassic Park, les trois premiers volets. Un clip exceptionnel, inédit, du jamais vu. C'est extraordinaire. C'est tout de suite, petite pause musicale. Musique.
Merci, on peut applaudir. C'est Tony Tizer qui a fait cette chanson, qui a fait en tout cas la musique avec les images de Jurassic Park. Lucie la chatte et son amour à la guerre. Vous connaissez tous cette chronique. La chronique, vous savez, des célibataires. Eh ben, elle est de retour pour l'amour à la guerre. Bah, qui pour animer? C'est Lucie la chatte. Miaou! C'est parti. Les amis, c'est Julie la chatte en live, en direct pour l'amour à la guerre. Alors, vous êtes célibataire, vous recherchez l'amour en Bretagne. J'ai déniché les plus beaux gosses et les plus belles demoiselles qu'il y avait dans le secteur de la ouest de la France. Et oui, les amis, mes chers Bretons, j'ai tout ce qu'il faut pour vous satisfaire cet été, pour ne pas être tout seul près du canapé ou près du transat au bord de la plage. Allez les amis, on va commencer avec le premier célibataire que j'ai trouvé là. Et c'est du gros et du lourd, il s'appelle Esteban. Esteban, surnommé Elastic Man, c'est l'homme le plus élastique de toute la Bretagne. Il peut étirer sa peau sur une surface de plus de 18 cm carrés, les filles. Alors, hein, on n'hésite pas, on essaye de contacter Esteban, puisqu'il est amateur de cigarettes et de claques sur la joue. Et oui, les filles. Alors, Esteban, eh bien, il vous attend où? Il vous attend au bureau de tabac de la joue qui claque. Wouh! Mahou mahou, les filles. Alors, les mecs, vous êtes aussi en galère, vous recherchez de quoi vous satisfaire. Et oui, les amis, j'ai déniché un deuxième célibataire. Et oui, ça m'a envoyé du pâté, mais pas de la pâté pour chat. Sinon, je l'aurais déjà mangé, les amis. Il s'agit de Jean-Philippe. Et Jean-Philippe a 37 ans. Et Jean-Philippe est un petit filou. Et oui, car il est bipolaire. Parfois homme, parfois femme, parfois garçon, parfois fille, on ne sait pas très bien, et Jean-Philippe ne sait pas très bien non plus. Donc Jean-Philou, il recherche un homme, une femme, un bi, parce que de toute façon, il est pas difficile. Et puis c'est très pratique pour les bi, parce que des fois il fait le garçon, des fois il fait la fille. Il s'adapte dans tout type de situation. Donc Jean-Philou, la journée, il est banquier, et puis la nuit, il est clown stripteaseur dans les boîtes de nuit de la discothèque. Voilà les amis, c'était l'amour à la guerre avec les plus beaux célibataires. Vous avez vu, c'était encore de la cacahuète aujourd'hui. Et oui, on s'est régalé. Mahou mahou les filles. Hey. Merci beaucoup Lucie la chatte. On espère que vous trouverez l'amour un jour. Ce serait bien. Jerry Khan est là pour ses blagues de la semaine. Jerry Khan, vous savez, c'est celui qui fait les blagues les plus pourries du monde, mais qui font rire les gens. Enfin, c'est normal, c'est des blagues de Jerry Khan. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Jerry Khan pour les blagues de la semaine. Qu'est-ce qu'un chinois avec un baladeur audio? Un MP3. Quelle est la différence entre une bière et un chasseur? La bière, on peut en trouver sans alcool. Quelle est la différence entre un ami, un mari et un amant? L'un c'est le jour et l'autre la nuit. C'était Jerry Khan pour les blagues de la semaine. Merci beaucoup Jerry Khan d'être venu. Vous repassez quand vous voulez dans l'émission. Vous êtes le bienvenu. Nous avons rencontré pour l'interview de la semaine un pêcheur, le pêcheur Lactalis. C'est qui, c'est quoi? Il pâchait, vous savez, où il y avait le lactose qui est tombé dans,
dans l'océan. C'est parti pour l'interview exclusive du pêcheur Lactalis. Je suis accompagné de Bernard l'ermite, bonjour. Merci. Vous êtes un pêcheur, c'est ça? Ouais. Dans les lacs de Lactalis, où ils avaient promis de remettre du lactose et des poissons dans les lacs. Est-ce que ils l'ont fait ou pas? Ah, moi je l'ai pas vu pour l'instant, ça fait déjà deux jours que je suis là, mais j'ai pas vu de poisson. Hein. Je sais pas où il y a mis ces enfoirés, mais hein, j'espère qu'au troisième jour je vais en avoir un, parce que là, j'ai pété un câble. J'ai prostité devant la Lactalis. Oh crève, les pêcheurs. Alors, ils avaient donc promis ça, c'était fin décembre, qu'ils allaient le faire pour janvier. On est, nous, un peu tard, hein, après quelques mois. Ils l'ont toujours pas fait, comme vous nous dites. Est-ce que vous pensez qu'ils pourraient le faire un jour ou pas? Bah, j'espère, parce que moi, je vais faire grève. Hein. Ça va être direct, je vais devant l'antiole, je vais aller voir le patron, moi, je vais faire grève. Vas-y, remets des poissons, remets des poissons! Je vais t'affronter. Et grève, est-ce que vous voulez que tous les pêcheurs fassent grève avec vous? Bah ouais, dans le tard, on va aller tous, on va écueiller, on va prendre un hameçon, on va l'accrocher, on va le balancer dans la flotte, le mec. Hein. Est-ce que vous pensez qu'il mérite d'être condamné? On sait qu'il y a le jugement qui est encore en... Mais carrément, faut l'embarquer direct. Alors, le jugement donc, qui est encore là, il devrait démissionner dans les prochains mois, on espère en tout cas. Et donc la place de votre entreprise, est-ce que vous pourrez vous porter candidature pour être patron de l'actrice? Oh bah la bonne blague, ouais. Bah ouais, bah t'as rêvé, moi je préférais rester à faire ma pêche comme un gros con, mais pas aller jouer au PDG. Merci, on vous donnera en tout cas de nouvelles de l'affaire Lactalis, le feuilleton 2017, et on se retrouve bientôt. Ouais, bah merci là, beaucoup Bernard Lermite. À jamais. Au revoir. Je me fais revoir ma gueule. Bien. Merci beaucoup à ce pêcheur Lactalis, on suivra évidemment cette histoire pour vous. Et n'oubliez pas de réagir sur le hashtag balance ton lactose. On balance tout, nous, ici. Et on retrouve tout de suite Maurice et Mauricette. C'est parti, c'est à eux. C'est parti, go! Et bonjour les amis, c'est Maurice et Mauricette pour les objets les plus exceptionnels, les plus extraordinaires, ayant appartenu des fois à des stars, des fois à des inconnus, on ne sait point plus. Alors, ma chère Mauricette, quel est l'objet de cette semaine? Bonjour Maurice. Oui Mauricette, ah vous avez un chat dans la gorge? J'ai un chat dans la gorge. Ah alors je viens vous présenter. Oui, dites-moi pas que c'est pas vrai. L'œuf de dinosaure, de Kinder de dinosaure. C'est un œuf Kinder de dinosaure. Montrez-le bien à nos amis, je crois qu'ils n'ont pas bien vu. Cet œuf, les amis, c'est un œuf Kinder dinosaure. Mais de dinosaure. Donc c'est un dinosaure qui aurait produit cet œuf Kinder. Voilà. Mais où est le chocolat? Alors le chocolat, il est à l'intérieur. À l'intérieur? Pour l'ouvrir. D'habitude, il est à l'extérieur. Là, c'est le contraire. Ah, les amis, c'est extraordinaire. Il paraît qu'il y aurait du chocolat à l'intérieur. Mais il y aurait autre chose à l'intérieur? Alors, dans le chocolat, il y a un cadeau. Un cadeau? Alors, je peux pas le montrer à eux. Montrez la caméra. Mais je peux le montrer qu'à vous. Ah, montrez-moi discrètement, les amis. Regardez. Oh, j'en ai trop vu. C'était magnifique. Franchement, les amis, j'en ai pris plein les yeux, plein le regard. J'ai les yeux plein d'étoiles. Je pense que ça peut se voir. Oui, c'est énorme. Bon, et c'est énorme. Mais comment avez-vous trouvé cet objet extraordinaire? C'est un dinosaure qui leur a répondu. Et oui. Ah, un dinosaure leur a répondu. Voilà, il y a évidemment plusieurs années. Ah, bah, des millions et des milliards d'années. Des millions, hein. Des milliards, des trillions, des trilliards. Voilà. Et donc cet objet extraordinaire, hein, donc avec un chocolat à l'intérieur. Un chocolat Kinder. Kinder, évidemment, à l'intérieur. Il a été d'habitude, c'est à l'extérieur. Et là, c'est à l'intérieur, dans le chocolat. Vous ne l'auriez pas mangé, ce chocolat? Non, bah, vous l'avez bien vu, monsieur Maurice. Mauricette, soyez honnête. Ce chocolat est-il vraiment à l'intérieur? Il est à l'intérieur, vous l'avez vu, Maurice. D'accord. Quel est le prix? Je pense que les gens veulent savoir le prix de cet objet extraordinaire. Un œuf Kinder de dinosaure. Ce prix est extraordinaire. Il n'y a jamais eu aucun qui a pu dépasser ce prix. Ah, bah alors, il est de 70 000 euros.
70 000 euros. Les amis, c'est pas cher. D'habitude, franchement, je pense que c'est un prix correct. Montrez bien cet œuf, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Cet œuf Kinder de dinosaure. Il aurait appartenu apparemment à une famille de T-Rex. Voilà, c'est ça. Hein, c'est ça. Qui aurait été agressé par des vélociraptors. Voilà. Voilà. Donc, cet œuf, je vous le rends parce qu'apparemment, c'est une matière précieuse. C'est très fragile. Dangereuse. C'est très fragile, les amis. Est-ce que les enfants peuvent jouer avec? Oui, mais il faut qu'ils fassent très attention, hein. C'est très très dangereux. Les enfants, faites attention, toujours sous le contrôle d'un parent. Voilà, toujours. Toujours. Que dire de plus sur cet œuf? Ben, à part que c'est vraiment précieux et que il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. C'est un objet 50 000 euros. Unique. Ah, 50 000. C'était 70 000. C'est la dernière somme. C'est des soldes, c'est extraordinaire. Les amis, Morissette vous propose cet œuf Kinder de dinosaure à seulement 50 000 euros. Négociable, non négociable? Non, c'est énorme. C'est non négociable, les amis, s'il vous plaît. N'hésitez pas. Vous avez une carte bancaire, un chéquier, un PEL, une hypothèque d'appartement. N'hésitez pas, envoyez tout votre argent pour cet œuf de Kinder de dinosaure pondu par une maman dinosaure qui ne pouvait pas avoir apparemment une descendance honorable, aurait fait cet œuf en plastique synthétique. Est-ce que ce plastique résisterait à des intempéries? Ah oui, il résiste, hein, il a déjà... Est-ce qu'il flotte? Il flotte, il a déjà été sous la neige. Les amis, sous la neige. Il brille dans le noir. Il brille très bien dans le noir. Il brille dans le noir, les amis. C'est complètement énorme. Donc cet œuf Kinder de dinosaure, donc seulement 50 000 euros, il n'y a qu'un seul exemplaire, je tiens à le préciser. Ah. Merde, il est cassé. Oh. Ah. Scandaleux. Écoutez les amis, Morissette a fait tomber l'œuf Kinder de dinosaure, l'œuf a éclos, le chocolat s'est répandu partout dans les studios. Les amis, c'est la folie, malheureusement, donc je sais que certains d'entre vous vont être déçus. Vous ne pourrez pas envoyer, bah continuez quand même à envoyer vos chèques, on sait jamais. Si on peut récupérer des coquilles, on vous les mettra dans un doggie bag, vous pourrez les emporter chez vous. Voilà les amis, nous sommes encore désolés, toute la société de chez Maurice et Morissette s'excuse pour cet œuf qui aurait subitement disparu. En plus, c'était unique. C'était le seul Morissette, franchement, qu'elle a bu. Voilà. Désolé. Allez, à plus les amis pour la semaine prochaine. Un objet encore plus extraordinaire. Merci à vous, Maurice et Maurice. Vous revenez quand vous voulez dans l'émission. Axel Braise. Le fameux prank d'Axel Braise, bah c'est tout de suite. Et est-ce qu'il va se faire casser la gueule cette semaine? Je pense, hein. C'est parti, Axel Braise, pour les pranks. Bonjour les amis. Alors comme vous voyez aujourd'hui, je suis là pour un nouveau prank. Aujourd'hui, je vais essayer d'aller piquer une bière à la racaille. Vous voyez le frigo qui est juste là-bas? Et ben, il a plein de bières dedans. Il a une chaise à côté, c'est là où il... Oui, il prend sa petite pause. Tous les jours, il fait sa sieste, donc je vais essayer de lui piquer une bière. Vous êtes prêts? C'est parti! Hé, hey, qu'est-ce que tu fais là, toi? Hé, hey, c'est ma chaise, là! Quoi, bonjour, là, d'où tu viens? Tu squattes ma chaise? Et en plus, tu bois ma bière. Ouais. Et c'est quoi ce délire, là? Tu viens, tu te sers dans mon frigo, et tu bois ma bière. Ouais. Et ben c'est, oui, quoi? C'est une caméra cachée, monsieur. Quelle caméra cachée? La caméra, là, elle est cachée. J'en ai rien à foutre, ta caméra cachée. Ça t'amuse de me filmer, toi? Et arrête de boire ma bière. Oh, putain. Arrête de boire ma bière, toi. Là, je t'ai dit, tu vas dégager d'ici, hein. Tu vas dégager de là, sinon je vais te taper. Oh, tu veux jouer au con? La force est en moi. Je suis le côté obscur. Tu vas prier. De toute façon, je suis pas ton père. Comme vous venez de le voir, j'ai bien profité de la bière, mais il a ouvert sa fenêtre, il était là. Il s'est réveillé. Et bah, ça s'est fini en bataille de manche à balai, mais je ne suis pas passé par le côté obscur. Ne vous inquiétez pas, je reviendrai plus fort
et je reviendrai plus loin. À bientôt. Merci Axel Braise. C'est déjà la fin de cette émission. J'espère qu'on n'a pas été trop saoulant pendant une heure avec vous. Mais en tout cas, on va se retrouver dans 15 jours pour de nouvelles... des nouvelles de nous-mêmes, de nouvelles de Manic News et des nouvelles dans les chroniques. Allez, à dans 15 jours, on va se quitter avec les dinosaures. Les races de dinosaures, c'est quelque chose qui est super, c'est parti. Et je vous dis à dans 15 jours.